Bonjour tout le monde, et ben bienvenue en Irlande, ça y est, on est arrivé sur Cape Clear Island, c'est au sud-ouest de l'Irlande, une petite île à côté du Fastnet Rock. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de là où je me trouve actuellement. Donc là, on peut voir les deux mâts de Lady Flow dans le port du Nord. Un tout petit port, hein, c'est un mouchoir de poche, on peut rentrer à quelques bateaux. Et devant nous, on a le petit ferry de l'île. Voilà le port du Nord. Et là, je me trouve juste à l'arrière du Community Club, qui est le pub de l'île. Donc on a fait 3 jours de mer au total en faisant une petite escale au Scilly. On s'est arrêté quelques jours au Scilly en attendant une fenêtre météo un peu meilleure, ce qui nous a permis de nous reposer, de prendre notre temps, de se préparer pour la traversée finale. Et donc on est arrivé ici samedi dernier, juste avant le coup de vent, c'était parfait. On est arrivé avec une houle qui commençait à enfler, le vent qui commençait à arriver bien fort, mais en même temps c'était parfait. Lady Flow avançait à 6 nœuds, toute poil dehors en direction du Fastnet. Au petit matin, on a eu des dizaines de dauphins qui ont tourné autour du bateau, des milliers d'oiseaux. On a vu 3 baleines juste avant d'arriver sur Cape Clear. Et puis on est arrivé ici le samedi. On devait faire un concert le samedi soir et en fait le concert a été annulé pour cause de pluie, évidemment. Bienvenue en Irlande. Mais qu'à cela ne tienne, du coup on s'est tous retrouvés au club, donc au pub de l'île. On a fait une grosse session de musique irlandaise qui m'a permis de rencontrer les musiciens locaux et de rencontrer une super pipeuse, une joueuse de Yulan Pipe, que j'ai invitée le lendemain sur le bateau pour enregistrer un morceau que j'ai composé et sur lequel j'avais très envie d'entendre du pipe. Elle a joué divinement, on a fait une superbe session d'enregistrement et on a répété pour le concert qui a eu lieu finalement le mardi soir. Du coup on a organisé ça avec toute la communauté de l'île. Et donc le mardi soir, toute la petite île s'est retrouvée sur le quai du port du Nord, devant Lady Flow, pour un concert à ciel ouvert, sous le soleil insulaire. Et voilà, c'est notre première escale en Irlande, ça promet, c'est vraiment une super belle escale. On a fait tout le tour de l'île qui est magnifique. Et là, on s'apprête à partir, on attend que le coup de vent passe. Et dès demain, on continue, on va sur Baltimore, c'est juste en face sur la côte, il y a 2 heures de navigation. Après, on va aller à Skull et ensuite on remonte jusqu'à Dingle sur la côte ouest avant de poursuivre encore plus au nord. Voilà, c'est parti. La tournée irlandaise rêvée depuis longtemps commence enfin. Ik feken a Joe an Earher, ik an Rhin ik Ball Gomel, nor a Thal an Arge ik inchin to in Nachmegshe or Asherish. Tom an Shola Fade, is Nivek Fu Kur or Asim. Leshen deal do kashel, fanik me ko fada la carigin, beg me knakla kajo, shasta imman on them. Thank you. En regardant vers l'ouest, le soleil qui se noie. Quand la mer ose dire qu'il ne reviendra pas. Je suis là depuis des années, je ne lâcherai rien. De ce foutu espoir, j'ai la patience des pierres. Je t'attendrai toujours, debout, sur le bord de la terre.
too.